passer le chevreuil près des sites de repos de ceux-ci. C'est pas évident par contre, là. Faut y aller à bon vent. Puis il faut surtout ne pas trop y aller. Mais afin de savoir là, lesquels sentiers utilisent nos chevreuils pour accéder à un site de repos en question, c'est bon d'utiliser des caméras de surveillance. Une caméra comme la Live 3G, ben, je vais l'installer avec des piles longue durée, des blocs piles au lithium ou une pile 12 volts. Puis je vais éviter d'y retourner sur place. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer mon tristand une journée de grosse pluie. Puis je vais installer mon appareil. Puis lorsque je vais voir que l'activité est dans les heures de chasse, puis que ce sont les sujets là, qui m'intéressent, qui passent, à ce moment-là, bien, je vais faire une attaque de chasse. De cette façon-là, j'aspire à avoir des meilleurs résultats de chasse, surtout face aux mâles matures ou aux bêtes plus méfiantes. Qui aurait cru qu'un jour on aurait des photos à partir de notre téléphone cellulaire, accessible sur notre téléphone intelligent ou sur notre ordinateur via le site web de SpyPoint? Quelques spécifications techniques de la Live 3G. 48 lumières d'ailes rouges, infrarouges, un flash ultra puissant nous procurant des images très claires la nuit. Photo en résolution de 8 mégapixels, très belle qualité de photo. Il enregistre le mode vidéo avec son. Comme sur la plupart des appareils, on a un capteur 5 zones très sensible. Une vitesse de déclenchement là, quasiment instantanée. Particularité intéressante aussi sur la Live 3G, un écran de visionnement de 3,5 pouces. On a les réglages sur l'écran. Pour les modes photo ou vidéo, on a la configuration de l'appareil. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on trouve, les configurations qui sont sur l'appareil nous sont accessibles aussi via le site internet là, de SpyPoint. On peut changer nos réglages à distance. On a toujours le mode test sur place là, avec l'écran de visionnement qui nous permet de vérifier si le signal cellulaire est bon avec la région où on est installé. On peut aller dans visionnement, voir les photos que j'ai sur place. Une autre particularité intéressante de l'écran de visionnement sur la Live 3G, on peut agrandir les photos. Ça peut nous permettre à l'occasion de mieux zoomer sur un chevreuil là, ou un animal quelconque. Activer la caméra Live 3G, c'est ultra simple. Avec l'appareil, on vous livre un feuillet là, d'instructions. On suit les étapes, c'est de 1 à 10, c'est extrêmement simple. La Live 3G fonctionne avec 8 piles 2A.